Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Smash Bros Ultimate en mode classique. Et nous allons faire Lucario, comme vous avez pu le voir sur le titre, sur l'écran de sélection, bref, partout quoi. Counter Encounters. Balalalala. Balalalala. Comment je me suis fait taper? Alors je ne sais pas ce qu'il fait. Ok, il a un contre en B vers le bas. Je ne joue pas Lucario. Ça doit se voir. Aïe. Quand même pas perdre sur le premier combat. Non. Ouf. Le stage de Xenoblade sur Smash Bros, c'est plus beau que Xenoblade, on est d'accord. Là où dans le 2, je suis pas certain. Hop. Ah, il a une toupie. Ça dégage. Hop, hein, Pokémon. Nice play. Nice play, play, play. Bon, on va avoir tous ceux qui ont un contre. Mais pas parmi les personnages DLC, évidemment. Parce qu'ils n'étaient pas sortis à l'époque. Parce que sinon, avec Mitra. Avec Mitra, on aurait eu Foresight. Elle s'est tuée toute seule, non? Bam. Ah. Il fait des dégâts, le petit. Je sais que plus il a de dégâts, plus il fait de dégâts, plus ses capacités sont puissantes, tout ça. Mais... je pensais pas à ce point. Waouh. Ah mais c'est parce qu'il y en a d'autres, ok. Mais aïe. Par contre je crois que les skins c'est aléatoire. Hein. Parce que je suis pas sûr que le Yiga il y était présent dans... On va faire un contre parce que ça marche. Même à l'envers. Ouf, cette esquive était... était pas très loin de la chute. Pain. Sûrement que le stage de Smash Bros est également plus beau que le jeu. Hein. Je ne sais pas de quel Fire Emblem ce stage est tiré. Aïe. Je suis en train de me faire éclater la gueule là. Je leur ai mis 20%. Ok. Attendez. Il y a un son chelou. Hein. J'ai l'impression qu'il y a... Non mais c'est le son de la défaite là, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a, il y a des artefacts sonores. Alors je m'en excuse. Je sais pas d'où ça vient. Je les ai aussi. Oh non mais j'en ai ras le cul. Ça vient d'où, sérieux?
Ok. Que c'est la souche. Parce qu'il y a de l'orage, je sais pas. Il y avait de l'orage cet après, mais. J'ai l'impression que bon. Ça va, c'est pas trop. Enfin, si, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas trop. Ça s'entend pas trop. Et si c'est trop dérangeant, je vous supprimerai le son du jeu. Et merde. Je réalise s'ils ont le même compte en fait. À peu de choses près. Ok, il a fait sneaker tout seul lui. Hein. Oh là là. Vous connaissez le coup de la caisse. Bon, par contre, c'est très dérangeant. Je vais faire une pause. Bon. J'ai pas l'impression que j'ai réussi à corriger le problème. C'est hyper chelou, c'est même pire qu'avant même. Non mais c'est horrible. Ça me faisait pas ça ce matin. Putain mais qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus. Il y a comme un truc qui crache là. Ouais bon tant pis, écoutez, tant pis pour cet épisode. Je vais essayer entre à la fin de l'épisode de régler ce qui se passe. Si ça se trouve c'est tout con. Bah avant de lancer l'épisode j'ai déjà eu ça. Mais c'était vachement plus fort. Alors j'ai éteint la console, j'ai éteint tout le système, j'ai reboot. Et ça s'est corrigé, mais là ça s'est revenu. Bam. Le page ce contre était magnifique. Ah ça n'a pas fonctionné. Ok. Nice. Bon là ça pétouille un max. C'est horrible. Pourtant, il n'y a plus d'orage, je comprends pas. Parce qu'il y aurait de l'orage, je me dis qu'il y aurait des. Ce serait l'orage, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit l'orage. Bref. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais essayer de corriger le problème d'ici le prochain. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Du coup, je vais pas vous laisser le générique sur celui-là. Hein.